Guy Tournière, on est là devant une petite boutique qui est à côté de vos champs. Hein. Les champs là sont par là et puis la distillerie là-bas. Alors la petite boutique est juste ici à côté de votre maison. Qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir ce petit chalet et puis à accueillir et à expliquer pourquoi ? Ça, c'est surtout mon gendre qui a voulu développer le détail en pensant de beaucoup mieux valoriser la récolte qu'on pouvait faire. C'est plus valorisant que de le vendre en gros à des parfumeurs. Et puis ensuite, ça se fait connaître un petit peu partout en France et puis même en Europe ? Oh oui, il fait de la vente même en dehors de la France, oui, bien sûr. Et il l'a fait non seulement pour ceux qui passent, mais je crois qu'on peut trouver tout ce que vous faites sur Internet. Ah oui, bien sûr, oui. Il fait beaucoup de commandes sur Internet, autant que ce qu'il vend sur place. Et puis alors, dans le pays aussi, ici, du pays de Tohar, on est attaché à mettre en valeur les produits. Il y a une maison qui regroupe tout ça. Oui, il y a une maison de pays à Malmoisson qui regroupe tous les agriculteurs de la vallée, où chacun a son rayon, son stand de vente.